Diana Bouli qui décide de quitter les réseaux sociaux. Les raisons pour lesquelles elle décide de quitter les réseaux sociaux. En fait, Diana Bouli, c'est une jeune Camerounaise que depuis 3 ans, je la suis sur les réseaux sociaux. Elle fait des bonnes choses. Il faut apprécier le talent de quelqu'un, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Diana Bouli, c'est une fille qui fait ses vidéos qu'elle fait. C'est vraiment... ça égaye beaucoup de personnes. Mais, sauf qu'il y a 3 jours, quelques jours, elle écrit... Elle fait un post comme quoi il faut qu'elle quitte sur les réseaux sociaux parce qu'il y a quelqu'un qui lui a déclaré son amour et puis ça a tourné au vinaigre. Ce que je vais dire à Diana Bouli, c'est que ma chérie, ne te décourage pas. Bien sûr, cet homme t'a dit qu'il t'aimait et après, c'est un pervers narcissique. Toujours comme tu as dit sur l'un de tes vidéos, sois sûr que c'est ainsi fait la vie. Ce n'est pas parce qu'un homme a décidé de se séparer de toi que tu vas croire que ta vie s'arrête. Non, non. Ce que je vais te dire, Diana Bouli, ne quitte pas les réseaux sociaux. Plus cet homme t'a connu, si tu n'étais pas sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que cet homme devait même te connaître. Donc, si t'as connu sur les réseaux sociaux et décide de te quitter, ma chérie, il y a plein comme ça là qui veulent se mettre avec toi. Ça, c'est la réalité. Tu es d'abord une belle fille et tu as tout le rondeur qu'il faut. Qu'une femme africaine doit avoir. Et tu as du talent. Ma chérie, tu n'avais pas à fixer rendez-vous sur toi avec cet homme pour que quand il te dit ça ne va pas, directement tu décides de tout arrêter. Non. Non. Ni toi ni lui avait passé la commande de l'un ou l'autre à son parent. Ta vie doit continuer. Ta vie doit continuer. Montre à cet homme-là que avant lui tu vivais, même après lui, tu continueras ta vie. Et je passerai le message à beaucoup d'autres filles qui vivent cette situation. Quand un homme vous quitte, ne faites pas comme si c'est votre fin de vie, c'est comme si votre vie doit s'arrêter là, non. Ce qui est sûr est que tu t'es mis avec cet homme parce que tu croyais trouver un homme qui avait la crainte de Dieu parce qu'il fait dans le gospel. Parce que Diana Bouli, il faut que je vous dise, Diana Bouli est tombée amoureuse d'un homme qui chante, qui fait la musique gospel. C'est un chanteur ivoirien au nom de Kaes Blom, ou c'est Kaes Blom, ou c'est... Elle s'est dit que non, elle a trouvé quelqu'un qui avait la crainte de Dieu et qu'elle peut se mettre avec cet homme-là. Sauf que cet homme-là a le même caractère que tous les hommes ont. Voilà, c'est pas parce qu'un homme a la crainte de Dieu que ça va enlever en lui le comportement de l'homme qu'il est. Voilà. Diana Bouli, continue avec tes vidéos, ma chérie. Ta vie ne va pas s'arrêter là. Vous ne vous êtes pas fixé à nouveau sur terre. Continue avec ta vidéo, continue avec ta vie comme si de rien n'était. Tu vaux mieux que ça. Moi, j'ai toujours dit, si un homme te quitte, maman, sois sûr que Dieu même a vu que tu ne devais pas aller, tu ne pouvais pas grandir avec cet homme-là avant de vous séparer. Tout ce que Dieu fait est bon dans la vie. Tout ce que Dieu fait est bon. Et rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard. Il y a des choses qui nous arrivent, on croit que non, le monde va s'arrêter. C'est au fil du temps qu'on voit que non, ça valait la peine. Ça valait la peine que ces choses-là nous arrivent avant pour éviter certains dégâts à la longue. Ça, c'est sûr. Donc, Diana Bouli, ma chérie, continue à faire tes vidéos. Tu, en venant sur les réseaux sociaux, tu ne pensais pas trouver un Kaes Blom sur les réseaux sociaux. Et si ça arrivait que vous vous êtes mis ensemble et que ça n'a pas donné, ma chérie, passe ton chemin, chacun se cherche. Chacun se cherche, chacun avance avec sa vie. Voilà. Chacun avance avec sa vie. Même ce que tu dis, tu vas expliquer plus tard. Je ne vois même pas pourquoi tu vas expliquer. Et je vois les filles qui viennent dire, oh, le goumet. C'est ce que nous, on vit tous les jours. On vit tous les jours. Sauf que pour Diana Bouli, elle est sur les réseaux sociaux parce qu'elle est star, parce qu'elle est un personnage public. C'est pourquoi c'est connu. Mais sinon, nous tous, dans toutes nos maisons, dans toutes nos vies, tous nos quotidiens, on le vit tous les jours. Le goumet, ça se vit tous les jours au quotidien. C'est ainsi fait la vie. Vous n'allez pas venir changer le monde. Vous n'allez pas venir changer le monde. Donc, ne faites pas comme si Diana Bouli est en train de vivre un truc extraordinaire. Jamais de la vie. Nous le vivons tous les, nous la vivons tous les jours. Le goumet, le mal de cœur, les déceptions amoureuses, nous la vivons tous les jours. Nous la vivons tous les jours. Pour Diana Bouli, nos stars se retrouvent sur les réseaux sociaux parce qu'elle est star, elle est un personnage public. Donc, arrêtez les moqueries. Les moqueries qui n'ont même pas lieu d'être. Pourtant, vous la vivez tous les jours. Beaucoup passent les nuits à pleurer dans les couvertures à cause du mal de cœur. Bah, le mal de cœur, c'est un mal qu'on ne contrôle pas. Quand tu as mal, tu as mal. Il n'y a pas que tu vas faire genre. Quand tu as mal au cœur, tu as mal au cœur. Et le cœur ne contrôle pas qui va aimer ou pas. Quand tu as aimé, tu as aimé. Voilà. Et quand il y a déception, ça fait mal. Donc, Diana Bouli, ma chérie, il n'y a pas que tu dis que tu vas arrêter, arrêter à cause d'un homme. Jamais de la vie. Cet homme-là n'arrêtera jamais de faire sa musique parce qu'il s'est séparé de toi. Tu dois continuer à faire tes choses comme si de rien n'était. Voilà. Continue à faire tes vidéos.
Chris Brown ne va jamais arrêter sa musique parce que tu t'es séparé de lui, parce que vous vous êtes séparé, parce que votre relation amoureuse n'a pas duré, n'a pas mis long. Il ne va jamais arrêter sa musique, ma chérie. Si tu arrêtes, c'est que tu es lâche. On ne fait pas comme ça. Quand une femme se sépare d'un homme, quand une relation amoureuse se gâte, ma chérie, mets-toi encore plus haut pour lui montrer qu'il a perdu quelque chose. Mais si tu arrêtes tout, mais ce serait comme si ta vie tournait autour de lui. C'est comme si tu avais fixé rendez-vous sur toi avec lui. Non, ma chérie. Non. Ta mère, en t'accouchant au Cameroun, ne savait pas qu'un jour, ne savait même pas que sa mère aussi l'accouchait en Côte d'Ivoire. Quand lui-même, il faisait les réseaux, quand il faisait sa musique, il publiait sur les réseaux sociaux, et il ne savait pas qu'il y a une fille au nom de Diana Bouli qui devait me regarder sa musique un jour. Donc, ma chérie, continue ta vie comme si de rien n'était. Tu ne dois rien arrêter. Ta vie ne tourne pas autour d'un homme. Voilà. Tu ne dois rien arrêter. Continue ta vie comme si de rien n'était. Continue ta vie comme si de rien n'était, Diana Bouli. Tu n'arrêtes rien. Tu ne dois rien arrêter, Diana Bouli. Tu ne vas rien arrêter. Tu n'avais pas fixé rendez-vous sur les réseaux sociaux avec KS Blue. Voilà. Pendant que tu vis ton gourmet, ta déception amoureuse, là, beaucoup, des milliers de personnes la vivent dans le monde entier. Ça ne commence, le gourmet ne commence pas sur toi et ça ne va pas s'arrêter sur toi. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Traité de pervers, narcissique, non, non, tout ce que Dieu fait est bon. Il y a mieux qui t'attend devant, Diana Bouli. Il y a mieux qui t'attend devant. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre la serpillère de l'autre, c'est la serviette de l'autre qui s'essuie quelque part et il conserve bien. Donc ne prends pas mal. Ne prends pas mal. Même Dieu voit que tu vaux mieux que ça. Tu ne vas pas. Dieu même lui-même voit que tu vaux mieux que ça. L'homme qui t'attend devant est mieux que KS Blue. Il faut se mettre ça dans la tête. Voilà. Tout ce que Dieu fait est bon. Bien sûr que c'est dur d'éteindre, mais tout ce que Dieu fait est bon. Je vois les filles aigries, les petites jalouses. Qui dit, oh, elle a mal, elle fait trop ja. Je la trouve même très naturelle, elle ne fait même pas trop ja. C'est son style qui est là. Vous n'allez pas venir la changer. Elle est d'abord une très belle fille. Diana Bouli, c'est une très belle fille avec tous les rondelles qui vont avec. Disons-nous les vérités. Ne soyez pas aigris et jalouses. Elle n'est pas à l'origine de vos malheurs. Laissez Diana, la petite fille, là tranquille. Diana Bouli, c'est une belle fille. Voilà. Et beaucoup d'entre vous aimeraient être à sa place. Sauf que vous ne parvenez pas. Et ça vous rend aigris. La jalousie va vous tuer. Laissez la vie de la petite fille là tranquille. Elle est toute belle. Elle a l'avenir devant elle. Elle a du talent. Où elle est stylée. Si je vois comment elle monte ses habits. Et quand elle met, ça la convient. Parce qu'elle a le corps qui va avec. Pourquoi vous êtes jalouse d'elle? Vous la jalousez pourquoi? Elle n'est pas à l'origine de vos malheurs. Je suis désolée. Elle n'est pas à l'origine de vos malheurs. Que chacun assume son corps que Dieu a donné. Elle assume sa part dans la paix du Seigneur.